Je suis encore très heureux d'être devant vous après une petite journée d'absence. Hier, j'étais absent. Comme je vous avais dit, nous sommes en train de monter quelque chose et ça commence à nous prendre beaucoup de temps sur le temps d'antenne que nous avons. Donc, nous avons un truc que nous sommes en train de faire et cela peut-être va un peu nous bousculer à ce que nous puissions commencer à faire des intervalles. Peut-être nous n'interviendrons plus comme d'habitude chaque jour. Ça pourra peut-être être 3 ou 2 fois par 3 fois ou 4 fois par semaine. Nous sommes en train de faire quelque chose que vous allez être très content parce que nous travaillons toujours pour vous servir. Nous sommes toujours dans le même domaine. Nous n'avons pas quitté, mais seulement que nous ne prenons pas plus. Nous allons donner beaucoup de temps à ce projet qu'on est en train d'entreprendre. Donc, souffrez que lorsque vous ne me voyez pas, ne pensez pas que nous sommes éloignés. Non, nous sommes toujours là. Mais il y a un projet que nous sommes en train de monter pour que nous puissions vous servir davantage. Cela nous demande d'être beaucoup plus en dehors de nos studios. Et parfois 2 fois ou 3 fois par semaine, nous serons absents de nos studios pour vous apporter les choses, les réflexions sur la République démocratique du Congo. Ce que nous faisons est toujours dans le cadre de ce combat ici pour notre pays. Nous apportons toujours la pierre à la reconstruction de notre pays. Alors aujourd'hui, d'abord, merci beaucoup pour ceux qui m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont appelé pendant ce week-end. Germain, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas... Je suis là. En tout cas, merci. Et ça montre bien que nous avons tissé des relations avec vous que nous ne pouvons pas laisser tomber comme ça. Ok, merci beaucoup. Donc, nous allons parler de l'Est parce que la dernière fois que nous nous sommes séparés, nous vous avions promis que nous allions parler encore de l'Est. L'état de siège qui est en train finalement de devenir comme quelque chose, je ne sais pas si on peut appeler ça d'habituel ou bien quoi que ce soit, mais c'est quelque chose maintenant qui, bon, au Parlement, on prolonge ça, donc, et comme une angoisse habitude, il y a des députés qui ont fait encore de l'Est, bah, rapport na bango, quoi que ce soit, inutile de programmer encore des missions à aller à l'Est parce que la situation est connue, la situation demande des solutions. Si vous n'êtes pas à mesure de donner cette solution-là, et ça bien que aujourd'hui nous allons parler de l'état de siège parce que nous allons ouvrir 2 ou 3 parenthèses sur les solutions que nous apportons ici et que les autres commencent à tricher ou à, disons pas à tricher mais ils voient que c'est ça la solution mais l'application va comme biaisé en haut. Donc nous allons parler de cet état de siège surtout de Boutembo et vous apporter certaines informations sur ce qui se passe exactement sur le terrain. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Au Katanga, un autre leader témoin clé de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila est tombé. Puis vous allez suivre aussi Joseph Kabila peut-il être poursuivi par la CPI? Ça, c'est une question. Si vous voulez les détails, allez sur élection-net.com. On va sur actualité.cd. Remise ce vendredi du premier prix littéraire Émilie-Flore Fignon. Contrôle parlementaire, les membres du gouvernement ne doivent pas céder à l'acharnement. C'est ça notre rôle, rappelle Célestin et Lemba. On va sur Congo profond. Les préjugés socioculturels, source de discrimination des femmes pour accéder à des postes de direction à Kinshasa. Puis Lisanga Bonganga attendit ce lundi, parquet général par le cour d'appel de Kinshasa Matete. 7 sur 7. Pétition contre Mbosso, Jean-Marc Kabundu s'en mêle. Et puis, Kouilou, le gouverneur s'engage à viabiliser les facultés de médecine de l'université de Bandundu, frappé par la mesure de
du ministre Essu. Et puis on termine par Radio Okapi. Bintou Keïta dit, c'est possible d'avoir un pays pacifié si chacun de nous travaille pour cultiver la paix. Et puis Ituri, au moins 15 villages vidés de ses occupants à la suite des multiples attaques des rebelles. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, l'actualité est prédominée par le départ, disons, le déplacement du président de la République aux États-Unis. Beaucoup de gens se disent que, bon, est-ce qu'il va encore parler avec les gens? Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Ça, c'est une mission de routine qui est souvent chaque année. Le président n'a pas été en train de se. Donc, le président n'a pas été en train de se. Mais c'est une plateforme où on peut finalement plaider pour la République démocratique du Congo. Nous osons croire que son discours cadrera sur, surtout sur la mission onusienne. Mission en effet, Kende Bandeko. Monisco, il faut Kangabisa Kanayango. Nous sommes contents que Babandeko, Kosa Lango, lentement, mais ça. Ça, il faut qu'il le fasse vraiment d'urgence parce que Bandeko, tant que la Monisco restera chez nous, Tokozala na kimiate. Tokozala na kimiate. Monisco est parmi les solutions que sur terrain, Batubazo Linga, Babilo Kwane Kenenan, Totikala nanu biso moko totala, nenin tozo sa. Alors, qu'est-ce qui se passe à Boutembo pour rentrer vivement dans le sujet? Eza na psychose moko eza na Butembo, ba rumeur eza ebele na kati ya Butembo ke non, ba ADF bazanzinga nzinga. Parce que soko otali ke ba massacre ya Isale, otali ba place maboya, ba place oyo, ozomona kaka ke suspicion ezali ke non, monguna asia encerclé. L'ennemi est en train d'être vu na kati ya ville ya Butembo. L'ennemi sur qui? Alors, psychose oyo, tant que tu as solola na ba source na ngana katia Butembo, ça me rappelle l'histoire de Bukavu. Lorsque tu as yo kakeno, bazo ba bitumba ezana ouvira kuna ezana kote alemera. Comment ça se passait à Bukavu? Tu vas donc en sakai au komate. Mais lorsque nous avons commencé à voir que nos militaires, bazo kima siko front ba komi kokoya na kati. C'est comme ça que les gens ont commencé à prendre les choses au sérieux. Bandeko, likambo eza ko salema na Butembo lelo ezali psychose. C'est comme si on dit aux gens que non, on va vous attaquer. Nous avons les militaires là-bas. Nous avons le FARDC. Mais le FARDC, toloba ki yango awa, baza na solution te akosilisa ba massacre wana. Ils n'ont pas de solution. Il commence maintenant à se dire non, bah toi, oh, botala. Donc, Bozan a planté. L'état de siège n'a pas été réfléchi. Baban dit que non, avant de faire la guerre, avant de faire la guerre, je crois que, et là, comme Soufia Makassi Zalaka, Bato Bazo Kendena guerre, il faut que Banan Munguna Zawapi. Comment est-ce que vous allez attaquer cet ennemi-là? Il se fait que l'ennemi est dans le peuple. Ennemi azali na kati ya peuple congolais azali tozana bango. Ennemi ango azanani. Ce n'est pas le peuple congolais dont je vous parle ici. L'ennemi est au sein du FARDC. Psychose oh non so ezate ke oh ba rebelle ba kosala boy. Ezaba makambo ezako salema na FARDC bandeko. Eza musika te parce que FARDC koki kosilisa likambo ya ngomo ko eza na kati te. Ce sera impossible. Babiloko nyonso, d'après ce que nous avons comme information, sont en train d'être faites par le FARDC, par ba groupe oyo. FARDC eza na ngomo na kati ya FARDC na kati kuna, bato ba kenda akoboma bato. Tout ça, on injecte le message babiloko ya lokutaba. Ba massacre oyo et salamaki na Isale, ce sont les FARDC, c'est ça ba groupe wana. Alors, FARDC na biso eza composé na banani? C'est ça la question. Au niveau national, eloko wana eza koyebana te. Au niveau national, on dit que non, eza bana na biso mutu baza ko combattre kuna tout ça.
Les images, beaucoup d'images que vous voyez, oh ya ba no bazo bun bazo bundakuna, et ça effectivement ba na ba garçon auto yebi ba garçon baza ba nationaliste tout ça. Mais ces garçons là sont en train d'être tués. La partie noire auto mona quartier, c'est cette partie là ya ba commandant. Ya tribu oh bino moko boyebi, ils sont beaucoup là-bas à partir de Aru ti Oyoko koma na Kalemi, ba komanda ce sont beaucoup de gens qui avaient refusé d'aller à l'ouest. Tango ba yebisa ki bango baza ba boya ka baza kuna baza kote kuna. Ba tuana nde bazali kuna nde mtu baza na ba. Baza baza ba komanda donc ils ont leurs troupes au sein même de faire des comment on a ka garnison boy o ba ke ba mission boy o ba ke mission boy mission ana ekosi la ndeni no ba massacre o boy ki massacre kuna population comment on a ke no o za ba faire des o za ba nguna tabu ba ko yaka na moyo so e comme ka 19h ale bo bandi ko ma batu c'est comme ça qu'ils opèrent nesi ko situation ezali ndenge wana na Butembo. Barimère et Zakokota. Ils ont même réussi à influencer même la société civile. Boyoka qui que ma grève a deux jours ezalaki. Pendant ces grèves là, c'était là le moment où faire laisser fallait loba to boucler siko ba tout to luka effectivement munguna zawapi. Mais le problème, le FARDC ne comprend pas. FARDC ça comme on a bleu. Ils ont ébatté FARDC. Na, je parle ici de Congolais intègres au bazo linga ba tia solution. Malheureusement ba toi na ba vendité baza ko vanda te ba loba non effectivement quel est le plan, comment est-ce que nous pouvons attaquer cet ennemi azana zamba nini place nini ango village nini ango tozo ko na ba soupçon que non ba ADF baza kuna. Quand tu vas dans le village ce qui ba yo ki soupçon que non ba ADF baza na tel village. Le commandant ou bien l'administrateur de territoire a qu'on se rendre qu'on a, il se retrouve avec le FARDC là-bas. Tant que vous avez un problème, vous avez un calme, problème, il va considérer que non, vous avez un. Pendant ce temps-là, la population lui dit non, vous avez un problème. C'est pour cela que vous avez vu que non, la population a commencé à. Il y a un target, il y a un lucas. Ce qui fait de ces moko à salire raza ko s'éloigne ou bien comme la masango bien saliboué, il se venge. Bah comme il boma, population comme il boma va faire de ces. Finalement nous sommes arrivés, tous aucun ne wapi. Et pendant ce temps-là à Kinshasa, on considère que non, et l'on connaît aussi la yango moko kuna. On dit l'on connaît aussi la kate sans que tout est implémenté. La solution au effort et ça les mains. Nous devons implémenter des solutions. Nous devons donner des solutions. Nous avons remarqué que non, pour l'instant, le président de la République a une solution T. Ou il n'a pas de solution, ou il ne veut pas appliquer la solution que le peuple met sur la table. La solution, c'est quoi? Je vais le répéter encore une fois de plus. Pourquoi je le fais? Parce que à part Otoza Koloba Awa, et loko msusu ya kosala ezali te. À part état de siège proclamé kakaboe, ezali et kosala eloko mokote. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes personnes que président de la République ou Kinshasa azobanga. Tobanga te a ko dénoncer faire de ces nabiso ke ne mutubaza ko bomabiso. Et ça, le politicien. Qui sont en commandité avec en complicité avec FARDC ou bazana ba groupe ou ba groupes armés ou bazako boma bango bazako attisé ba lobité ko sila nango kaka tout ça. Pendant ce temps les choses se font. Pendant ce temps biloko ezako salema ils sont en train de programmer de maintenir eloko ana kaka ata ba kobeta bisoté. Mais bakobangisa population te. Ils vont peut-être frapper deux ou trois fois. Malkambo oyo yaba colonne ya ko yaba convoi. Ezako continuer kaka. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans notre pays dans une peur bleue comme ça? Batuba sur kilakati nanani à l'air aise. Ça ce n'est pas la paix que nous cherchons.
batu ebele baza ko profiter justement na biloko wana boyoka ki ba collègue moko c'est je ne dis pas quoi que ce soit sur le collègue, mais le gouverneur militaire a été reçu par ses collègues. Mais il y a aucune réponse à le gouverneur militaire. Pour nous qui avons, pour nous qui connaissons, pour nous qui avons Otoyebi, Otoyebi, ma kamounenge, ezo sala makuna, ezo ko sala passe. Ezo ko sala passe. Parce que, à tout lobby que nous avons voyé de mon côté, donc la situation n'a pas changé. Bozo, de Massisi jusqu'à Tibé. Le grand problème qui se pose dans notre pays, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas à mesure de se mettre d'accord en disant que on accepte que bino bokoki kozala la solution. Bandeko, population ezako jouer rôle moko très important na guerre oyo. Population ezako jouer rôle moko très très important na guerre oyo. Pendant que l'ennemi que nous connaissons qui a été à faire de ça, les politiques devraient accepter. Ba faire de ça, que non, tu as infiltré. Mais comment est-ce que nous allons arrêter cette infiltration? Ne plan à ce que faut elles à la mise en place. Comment est-ce que nous allons arrêter cette mafia dans l'infiltration au Ezanakati armée? Parce que l'ennemi profite justement. Na deux faiblesses, wana. Il nous infiltre. Et puis, bazana tête, y a armé na biso. Alors, comment faire? La solution que nous avions préconisée, Ezali Boye, cantonnement, donc, y a FARDC, le départ, y a MONUSCO, accompagné de mesures. Il y a paix, il y a population et bandako solo là entre bango. Nous avons ici Batouaza pour mettre même en conflit les politiciens qui sont à Kinshasa. Ils sont même en train de mettre en conflit les populations pour que les populations ne puissent pas se mettre d'accord. Babiloko ezako salema na fizikuna bozoka keno ba akora banyamulenge Batouaza ko solo là. Nous avions dit ceci na forma wana ekosimba kate. Dans ce format-là, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 145 territoires, il y a 10 millions, et ça, là, ils ne savent pas ce qu'ils doivent. Ils écoutent ce que nous disons, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent en marche. Ils ne savent pas. Vous voyez bien que l'idée est malamu, mais eloko ça na kati pour arriver à cette idée là, pour arriver là-bas, il y a des chemins qu'il faut prendre.
okoki jamais ko yebisa keke no ba fulero na banani bo fanda bo solo la eko simba kate. Il doit y avoir des préparatifs à Babylon qui sont matérialisés à non. Pour arriver à ces résultats, voici ce que là où il faut que nous passions. Toko leka wapi, toko bandela wapi. Et ça n'est pas que nous avons mutu que les autres mola na balabala, on le bien mutu que ça na ça bien. Mais au lieu d'être moteur ni ça na kati, pour que moteur on ait ça, qu'est-ce qu'il faut? Pétrole ni ne kota ke zaka diesel ou bien zalaka ezalaka ezalaka nani essence tout ça na kati ya mutu kaona. Il y a des choses qui doivent se faire avant que tout le kato comme un résultat. C'est pour cela que nous avions dit bandeko se précipiter à aller aux élections retenir le pouvoir ça ne kobongisaka jamais mboka na biso. Il y a des choses de préalables qu'il faut faire. Et ces préalables sont faisables, bandeko. Ça peut être faisable. Mais il suffit tout simplement qu'il y ait une volonté. Na batoua, na batoua, bazana parlement, na président de la République. Tout se mettre d'accord que biloko tozo sala, et comme ma biso est si comme mon côté, tout va nanano ensemble, tout réfléchir. Et réfléchir avec les gens qui peuvent vous amener avec une idée, ya kolobake. Non. Tout ça là, boy, A, B, C, D, tout bande la wapi. Le premier point à prendre, décision, il y a l'Iboso à Kozoa et Zabnine. Dans tout ça, et loko à l'Iboso et loko à Koyeba, il faut d'abord que nous puissions, disons, le gouvernement actuel, ceux qui sont au pouvoir actuellement puissent reconnaître que non, échec est ça partout. Il faudrait qu'ils sachent que non, Toyaki n'a Bokonzi, Tozalaki n'a planté. Mais maintenant, reconstruisons le pays. Même ceux qui t'ont tongi ba balabala, même ceux qui t'ont tongi ba building, mboka na biso eza kotonga mate. Le pays, nous devons le reconstruire, toba na na fondation. C'est comme ça que nous nous sommes dit, solution à est kokoki kozala te que non, oh non, baba mando kebele. Même la MONUSCO avait réclamé ça, avait dit ça, baloba kango alobi. Solution à côté qu'on a par le physique. La solution doit être globale. C'est ça le message que Contact Pro Love vous amène tous les jours en vous disant Makambo ezo sale malelo et ko sale makaka ti jour toko comprendre que non. Nous sommes en train d'aller dans une droit dans le mur. Direction tozwa ki za malamu te. Nous devons nous réunir, nous devons nous mettre d'accord. Les gens doivent se mettre d'accord. Et c'est là que j'ai dit que non. Fondation Bandakawapi, Fondation Botala, mon article 10. Dans la dernière émission, j'ai dit la fondation, c'est l'article 10. Jamais, et là, quand on a beaucoup de état de siège, sans ma mesure d'accompagnement, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous aviez mises en place pour que vous accompagniez l'état de siège? Et là, comme mon côté, cela nous montre la suffisance comment cette histoire-là n'a jamais été préparée. On n'a jamais préparé cette histoire. Tout ça, la Makamuna Bourouyek, tout ça, la députée Mamitouka, tout ça, la boy, tout ça, la boy, tout ça, la boy. Nous devons nous mettre d'accord, nous devons nous mettre à nous arrêter d'abord en nous disant que non. Makamwa Seni, Ezo Simbate, tout ça. La solution doit être globale et tout ça, qu'on a un président de la République, à la courage à reconnaître que non. Peuple congolais, il y a quoi même ça, peuple congolais, que peuple congolais, c'est là où tout ça qu'on est. Et qu'on s'imbatte. Tout bandana nous kobongisa mboka na biso à partir de la base. Que tout le monde se mette ensemble pour que tout continue. Parce que Ngamoko, le président seul, il ne construira jamais ce pays. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur cet état de siège là-bas. Eza kao, eza kao, kuna donc, et loko moko eza kosa le maté. Ce qui m'a militaire, on a bâti kali. Fin décembre, même février, et interminable, jusqu'à ce qu'il y aura même Babylon comme ça. Parce que aujourd'hui, le peuple à la base commence un peu à se réfléchir. Banande baza kobengana, boka nsate ke banande ba vandika nye, banande baza kosolola, baza kobengana, baza kobengana malobite, likambo yo soki tozo continue na ngo boye. Il y a moi tous émission prochaine sur le chemin de la balkanisation ndenge ezako sale malelo. Il y a un plan de la balkanisation mais on est en train de nous pousser na ko tie la bino en détail
na émission prochaine. Ne manquez pas de notre prochaine émission au Tokoloba sur la balkanisation mise à nu. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Merci encore en tout cas pour tous ceux qui m'ont appelé hier et avant-hier quand je n'étais pas là. Je continue à demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés parce que nous avons un peu belé. Pardon, abonnez-vous. Partagez nos émissions pour que le message soit comme là-bas. Parce que dès que le message est comme là-bas, vous comprenez. Parce que nous avons 145 territoires. C'est nous qui avions commencé à cette histoire-là. Il y a 145 territoires. L'IDPS va mordre dans le coin parce que nous en avions parlé. Et c'est ça qui nous encourage en nous disant que Moussala Otozo Sala, ce que comme il y a ma toi, il y a ta moko boe, et au kiko sala bien. Et le commandé, si vous le partagez, et que va tout à tout à ça, que yo kabiso, tam sousou, nous avons eu moko aébi, et ouè au kouya, na ma toi, il y a ma dirigeant, ou yo bateau, ou bazan autorité, il y a qu'on change ma campagne. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, vous qui vous êtes venus pour la première fois, laissez un message. Et puis nous ne manquerons jamais à vous répondre. Ma réponse n'a pas été souvent compilée dans cette émission. Donc nous répondons aux questions. N'a tendance à parce que répondre à 5000, 10000 personnes est aussi battu. Voilà. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.